moment où la France était déchirée, nous étions en France aussi depuis peu, mais nous étions moins touchés parce que nous avions une tradition du judaïsme et nous avons su pendant à peu près un siècle faire cohabiter dans des conditions convenables, on va dire, convenables, les catholiques et les protestants à l'époque. À Metz donc, nous ne pouvons pas accepter l'instrumentalisation politique de la religion. La loi de 1905 garantit la liberté des cultes en échange de leur non-reconnaissance par l'État. En Moselle, les élus courent d'une procession à une rupture de jeûne, selon des critères personnels et clientélistes. Cette position discrimine les athées et les agnostiques. Elle confond liberté de conscience et œcuménisme. Elle conduit à la surenchère entre les religions et réveille les prétentions des sectes. Elle bafoue donc le principe laïque de non-reconnaissance. L'association Les Profanes, nous dénonçons la présence d'élus de la République à la cérémonie religieuse de l'Assomption, ainsi qu'à la procession ostentatoire dans les rues de Metz. Il en va de la survie de la laïcité.